Oh, je me casse. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui sur un nouvel épisode de Prison Architecte. Alors là, elle a pas mal progressé hors caméra, bien sûr, cette vidéo. J'ai fini une aile, j'ai rajouté une aile complète. Bon, en plus, j'ai bien fait mes patrouilles et je me suis aperçu qu'il y avait un tunnel que je puis arriver à reboucher avant qu'il y ait des gens qui s'échappent. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté des caméras, une ici sur le bas parce qu'en fait le flic mettait beaucoup de temps à rester beaucoup en haut, donc du coup cette zone était souvent dans l'ombre, donc pareil. J'ai continué de faire le tour à ce niveau-là, un peu là, du mur. Pour voir un petit peu, je voudrais finir de faire ma prison. Il y a eu une nouvelle mise à jour, donc on va parler tout de suite de la mise à jour. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre aussi? Oui. Ici. Là, j'ai rajouté. Maintenant, j'ai. Règle d'hygiène, menuiserie. Voilà, taser. Maintenant, le matin, j'ai certains de mes gardiens qui prennent leur cours de taser, donc ça se fait ici, c'est plutôt intéressant. J'ai retiré des libérations conditionnelles un petit peu trop, j'en ai gardé 12, ce qui est largement largement suffisante. Et programme de perfectionnement scolaire, oh. Alors je vais le mettre, ça va me coûter un petit peu cher, mais bon, c'est pas grave, c'est intéressant. Et lui, ce qui peut se faire? Non. Toutes les salles. Ah. Je vais l'arrêter celle-là. Histoire que. Voilà. Et thérapie comportementale, je n'ai pas de classe, donc on l'en dégage. 9 ont réussi. C'est pour ça que j'ai pas mal avancé là. 40 ont terminé, 9 ont réussi. Il y en a encore 3 d'intéressés. Et il y en a pas mal qu'ils le font, donc ça veut dire qu'il y a de quoi faire. J'ai plus beaucoup d'argent parce que j'ai quand même fait pas mal de choses. Alors j'espère juste, voilà. On va renvoyer. Et on va parler aussi de la mise à jour, parce qu'il y a eu la 31. Alors, il rajoute l'avocat. L'avocat, et non pas le fruit, mais bien sûr l'avocat, le métier. On va avoir un élément supplémentaire dans la bureaucratie. Et le fait de débloquer l'avocat, ce qu'on va pas pouvoir faire parce que je n'ai pas assez d'argent pour le moment, nous débloque plusieurs petits trucs comme le permanent punishment. Ça veut dire qu'on va pouvoir garder en cellule quelqu'un permanentement. Non, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. De façon permanente, comme Chéri me souffle à l'oreille. Qui peut, du coup, simplifier certaines choses. Les small cellules. Donc ça voudrait dire que maintenant, légalement, il nous fallait une cellule de 3 sur 2. Et ben maintenant, plus rien. Juste un lit, un chiotte, et c'est tout. Donc pareil, ça permettra de faire des cellules. Des cellules très petites, du style on met un chiotte, on met une grille pour entrer, on met un chiotte, le lit derrière, ça fait 3 blocs et puis c'est terminé. Voilà. Bon, on risque de se faire engueuler, mais on peut le faire. Le couloir de la mort, on va pouvoir faire aussi et augmenter le taux de risque de se faire avoir. Donc pas mal de petites choses qu'il faudra que je vous montre. De toute façon, on va en parler étant donné que le temps que ça se déroule derrière, parce que j'ai besoin d'argent, on va pouvoir faire une petite explication. Donc, voilà, donc l'avocat se débloque de manière habituelle, donc de la façon que je vous ai montré dans la bureaucratie. Il requiert son propre bureau et donne accès à une variété de lacunes juridiques. Alors j'aurais pas dit lacunes, mais je pense que c'est une traduction mot par mot. Donc suppression de la taille minimale des cellules, ce que je vous ai dit, durée des peines infinies, couloir de la mort, donc tout ça c'est ce que je vous avais annoncé.
Donc le couloir de la mort, il faudrait créer une aile bien spécifique. Je la ferai dans ma prochaine partie de prison par là. Ça sera bien spécifique. Ou peut-être même en bas dans la partie hot security. Security. Donc ça se fait avec un certain nombre de choses. Il faut donc mettre des dortoirs juste à côté. On peut les accepter, mais c'est assez rare. Ça nous fait gagner pas mal d'argent. Bah oui, parce que faut se le dire, mais on fait tout ça pour l'argent. Chaque condamné à mort a une chance d'essayer de blanchir son nom. Ouais, donc ouais, un peu comme les cellules de liberté conditionnelle, les condamnés à mort ont le droit à des audiences pour essayer de se racheter. Enfin, c'est pas le terme racheter, parce qu'ils peuvent pas vraiment se racheter, mais ils font appel à leur jugement pour savoir si vraiment, oui ou non, il y avait une raison qu'ils soient emprisonnés. Y a un pourcentage qui apparaît, alors tant que j'aurai pas de prisonnier à mort, je pourrai pas vérifier comment ça se passe, mais il y a un pourcentage, et ce pourcentage en fait va délimiter la chance que la personne soit innocente, parce que si on tue quelqu'un d'innocent, on perd de l'argent. On gagne un truc comme 10 000 si on tue la bonne personne, on perd 50 000, donc on a une amende de 50 000 si, à l'inverse, on a tué un innocent, donc on va pouvoir faire plusieurs appels et ainsi de suite. Et quand le pourcentage sera en dessous d'un certain nombre, et ben là on pourra faire la peine maximale, l'exécution sans risque de se recevoir pénalisé. Oh, j'ai fini les cours d'éducation. Ça veut dire que j'ai eu plus de 15 personnes. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Ok. Arbre, session de formation. D'accord. Peut-être falloir que je mette plus de tables là. On commence à être plein. Oh, on est qu'à 77. Bon, avant d'augmenter une fois de plus, faudra que je fasse la salle, parce que c'est pareil, c'est compté dans la mise à jour. Donc je finis avec le condamné à mort, enfin les exécutions. Donc comme je vous ai dit, on reçoit un bonus de 10 000 dollars si on, pour le travail, quoi, voilà. On est condamné à une amende de 50 000 instantanément si jamais, à l'inverse, la personne était pas fautive, enfin elle était innocente. Si jamais on tue un innocent, on perd la file d'attente des condamnés à mort, donc du coup on va attendre beaucoup plus de temps pour avoir une chance de pouvoir recueillir notre condamné à mort. Et on perd aussi tous les condamnés à mort. Si on en avait 4 ou 5 dans notre prison, ils sont automatiquement envoyés sur une autre prison, donc on les perd. Et si on a 3 innocents, qu'on tue 3 innocents, on a un game over. Donc voilà. Si jamais il a une clémence, le condamné à mort, il se retrouvera en peine maximale et non plus en couloir de la mort. Donc, il retournera avec les prisonniers habituels. On a une nouvelle salle, la salle de réception, qu'on va du coup en profiter de faire tout de suite. J'avais prévu, c'est pour ça que d'ailleurs, ce gardien est en faction dans cette salle. Alors, la salle, c'est salle de réception. Voilà. Et pour ça, il va falloir faire un bureau, une table et une chaise. Donc, dans les objets, on va y mettre un bureau. On va faire un truc un peu comme ça. Chaise. Voilà. Et ça va être notre salle de réception. Oh, les personnes libres. Bureau de table chaise. Ouais. Voilà.
Et donc les prisonniers qui seront acceptés seront automatiquement envoyés ici. Acceptés seront automatiquement envoyés ici. D'ailleurs, on va ouvrir l'admission. J'en veux. Combien on peut en accepter ? Cellules non affectées, 108. Oui, donc je vais en accepter une bonne trentaine d'un coup. Voilà. Et lui, on l'a laissé en faction ici, parce que comme ça, au moins, il fait le tampon pour ouvrir les cellules. Sachant que je vais peut-être la garder ouverte, celle-là. Ah, ok, on leur donne les vêtements ici. Ok. D'accord. J'étais pas au courant de cette petite partie, qui est plutôt intéressante. En plus, on a pas mal de personnes libérées, donc autant en profiter. Je vais finir, et après je vais vous lire l'explication. Hop là, je peux faire au moins ça. Voilà. On va voir ici comment ça va se passer, du coup. On va couper ça pour éviter de faire une connerie. Donc les salles, la salle de réception est une salle optionnelle qui donne aux prisonniers un point d'arrivée dédié au lieu de la zone de livraison. Une fois construite, tous les nouveaux prisonniers passeront par cette salle. Les prisonniers doivent être accompagnés dans la salle de réception, puis sont fouillés. Toute la contrebande sera trouvée. On leur donne ensuite un nouvel uniforme. Les gardes les accompagnent ensuite, toujours menottés à leur destination, celui cellule ou cellule de détention. Les processus exigent beaucoup de gardes disponibles, mais il est beaucoup plus sûr que les arrivées par les zones de livraison. Ok, ça c'est bien. Beaucoup de gardes dans le système de... Dans le menu qui attribuera pour gérer le besoin des uniformes propres. L'utilisation de l'alarme verrouillage ne se fera plus rapidement. Ok, donc on s'en fout. Et après, c'est des corrections de bugs. Donc là, on voit un petit peu tout ce qui a été rajouté. Ce qui est plutôt bien, en fait. Là, ça fait combien de blocs, du coup 1, 2, 3. Alors, j'ai envie de faire un truc comme ça. Comme ça. Et d'y mettre une porte du personnel. Voilà. Pour fermer cette partie-là. Parce que là, je vais faire un tour de garde par la suite. Avec des sortes de petits locales ici. Où les gardes feront des rondes. Des chiens, je parle. Comme ça, au moins, je pourrais peut-être arriver à détecter les passages... Oh, sauvegarde automatique. Les passages de contrebande. Et là, mon but va être de faire un portail routier. Mais j'ai peur d'une chose. Et donc, on va vite le savoir. C'est ce que les camions... vont arriver à rentrer facilement. Voilà. Où est-ce que je vais devoir mettre un garde à l'entrée. Ah, ils les ont fait différemment. Ah, du coup, je me pose une question. Comment ça va être en bas? Ok. Donc, avec un peu de chance... Merde. Il faut obligatoirement qu'un garde vienne lui ouvrir. Ça. C'est ça.
faut obligatoirement qu'un garde vienne l'ouvrir. Donc, c'est pas très rentable. Et là aussi. Ok. Donc il va falloir que je fasse, que je mette un garde, donc personnel, gardien. Je vais en mettre 3. Et je vais leur faire faire une gardien en fax. Non, patrouille de garde. Un peu là. Donc on va leur faire faire un petit carré joli. Histoire de dire. Avec un traversage sympathique. Voilà, histoire de dire qu'il ne fait pas rien. Et on va faire la même chose là-haut. Voilà. J'avais dit la même chose là-haut. Voilà. Bon, et du coup j'ai plus besoin de déployer quelqu'un ici parce que du coup j'en ai un qui travaille dans cette salle, donc voilà, je récupère au moins un garde qui était en faction ici. On va voir un petit peu comment ça se passe pour les prisonniers qui vont arriver, sachant que j'ai largement assez de quoi tous les avoir. Ouais, il va falloir que je fasse attention aussi de quoi je mets quoi sur quoi. Voilà, parfait. Ok. Super. Donc là, il faut beaucoup de gardes pour les faire entrer. Ah, vous avez vu aussi, vu qu'ils ont des tasers, ils l'ont à la ceinture. Hop là. D'accord, ils sont mis à poil. À poil. Ils sont fouillés. Ok. Et donc là, ça fait quand même pas mal de contrebande déjà retirée. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Du coup, comme ils sont fouillés, ça me permet de plus avoir de contrebande dans le truc. Ils ont leurs uniformes. Voilà. Et maintenant, ils sont envoyés dans leur truc. C'est cool. C'est vrai qu'effectivement, c'est plutôt quand même très long. Il me faut quand même pas mal de gardes. Je vais fermer pour demain. Je n'en veux aucun. Voilà. Je suis combien? 91 sur 100... Sur 95, on va dire, sur 126 possibles. C'est plutôt une bonne chose. Ah, voilà, et là, ça travaille. Là, ça travaille, là, ça fait des plaques. Ouais, c'est cool, ça fait du poids, ça fait de la plaque, ça fait des plein de choses. J'aurais bien aimé qu'ils le vendent. Putain, c'est vrai qu'ils sont toujours là, quoi. Ok. Il me faut quand même plus de prisonniers. De prisonniers. De flics. Alors.
personnel. Ça, c'est un maître chien. Les maîtres chiens, on les reconnaît comment par rapport aux... Ah, d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 11 et 11, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27. D'accord, 27, c'est les... Donc, ça, c'est OK. 27... 1 se repose, 11 en faction, 8 patrouilles. Donc ça fait 10... ça fait 20, donc il y en a 7 de libre. Et après j'ai 4 gardiens armés et 7 maîtres chiens. Maître chien, lui il se repose, lui il fouille là, lui il fouille lui, lui... Bon, d'accord, il fait cette partie là, lui il se repose, et lui il fouille ici. Ok, donc lui il est là, lui il est là, lui il fait rien, et lui il fait ça. Alors peut-être que je mette... prochaine fois qu'il y a un incident, il faudrait que je mette un garde supplémentaire. Et il est où là, celui qui était censé être là? Bref, quoi? D'accord. Pas l'impression d'être là depuis je sais pas combien de temps. Ouais, vous me direz, je peux les ouvrir moi aussi. Oui, c'est pas faux, je peux ouvrir. Je vais en profiter aussi, je vais aller faire ça. Voilà. l'avocat. Hop là. Je me pose une question. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? 10 lits confortables. Ça me casse les pieds par contre que j'arrive toujours pas à faire des lits. Je ne sais pas comment on les fait, les lits. Je vais les vendre. Vendre objet. Vendre objet. Vendre objet. De toute façon, il y en a 3 tonnes. Bon, ben, on a bien avancé. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon. Va falloir que je l'éclaire un petit peu plus. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir y faire ici, là, du coup, pour l'instant. Je vais peut-être le garder pour les prochaines mises à jour, tout simplement. Et après, ben, on va venir s'installer par là, en fait, dans les prochaines vidéos. C'est ce qui va se passer. Je vais prendre et je vais faire une copie de ça ici. Et après, on va recommencer à voir un petit peu tout ce qui peut être fait. Là, je trouve qu'elle fonctionne quand même bien plutôt pour une prison de cette taille. Peut-être manquer de table à la limite. Alors, une table. Hop là, avec les bancs. Voilà. Peut-être faire une deuxième salle d'école aussi. Ou la couper en deux d'ailleurs. Si je fais ça bien, je peux peut-être faire deux salles de classe en fait. Eh oui, c'est pas bête. Euh...
En la serrant, ça fait 4 de squ... 1, 2, 3. 3 et 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 3, 18, 7, 21. Donc oui, ça pourrait rentrer en faisant 3 sur 7. Ça devrait rentrer en fait compte. En fin de compte. Oui, bah alors c'est peut-être ce qui va se passer. Je vais peut-être faire deux salles de cours, histoire d'avoir 2 x 2. Ah oui, mais est-ce que je peux avoir plusieurs employés qui viennent faire? Donc du coup, je vais peut-être pas détruire cette salle. Par contre, personne n'est venu travailler à la librairie, ça me fait un peu chier. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, mais bon, ça n'a pas marché. Alors, on va aller voir une petite évaluation. Donc, taux de récidive 19%, donc plutôt bien. 47 prisonniers ont été relâchés. On voit qu'on a plutôt des bonnes notes, à part peut-être dans le soin. La valeur de la prison a bien augmenté, 470 000. Ah, j'en ai libéré 25, j'en ai eu 8% qui ont récidivé. C'est pas cool ça, c'est pas cool. Mais bon, c'est plutôt bien, j'ai plutôt de très bonnes rentrées d'argent, ça va me permettre de pouvoir vraiment avancer. Donc voilà, on va s'arrêter là, hein, comme je l'ai déjà dit il y a au moins 5 minutes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à commenter si vous avez quelque chose à rajouter sur cette magnifique prison que je vous ai proposée. À liker, à vous abonner et à partager si c'est pas déjà fait. Si, ben, comme moi, vous pensez que ma vidéo déchire sa race et qu'il faut à tout prix la partager. Et puis, arrêtez de raconter des conneries. Et je vais vous souhaiter un bon tour et je vous dirai à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement. Allez, ciao tout le monde!